une jeune Française s'intéresse-t-elle tellement à notre histoire au point de venir jusqu'ici, au Mozambique, pour faire un film sur nous ? Je suis touchée par ces Chiliens qui ont fui la dictature de Pinochet, qui ont lutté pour leurs idéaux, qui ont cru en un monde meilleur et qui ont souffert pour défendre leurs convictions. Au début de la dictature, mes parents ont été emprisonnés par la police politique de Pinochet. Ils ont été arrêtés chez ma grand-mère en pleine nuit. Ils ont été torturés, tu sais. Leur activisme politique a fait d'eux des criminels. Tous les Chiliens t'ont parlé de manière très positive du Mozambique. Mais pour moi, cela a été terrible. Tu sais, c'était une dictature, le régime de Samora Machel. Ils organisaient des meetings et au milieu de la place publique, ils fouettaient des gens pour montrer l'exemple. Prenait un homme qui avait commis une erreur. Le fouettait et le forçait à avouer ses fautes. Le faisait fouetter face à des milliers de personnes. Et nous, on était obligés d'assister à ce spectacle.